Un jour, un petit poisson est allé voir sa mère et lui a demandé « Maman, qu'est-ce que cette eau dont on entend tellement parler ?» En riant, sa mère lui a répondu « Comme tu es sot, l'eau est autour de toi, elle est en toi et elle te donne la vie. Va un peu sur terre et reste-y un moment et tu découvriras qu'est-ce que l'eau. » Un jour, un faon est allé voir son père et lui a demandé « Père, qu'est-ce que l'air dont on entend tellement parler ?» En souriant, son père lui a répondu « Comme tu es sot, l'air est autour de toi, il est en toi et il te donne la vie. Si tu veux savoir ce qu'est l'air, plonge ta tête dans un ruisseau et tu le découvriras. » Un jour, un homme est allé voir un sage et lui a demandé « Toi qui es sage, réponds à ma question. Qui est ce Dieu dont on entend tellement parler ? Ô Seigneur, apprends-nous à te reconnaître, comme celui qui est autour de nous, qui est en nous et qui donne la vie. Apprends-nous à te reconnaître dans l'ordinaire de nos journées, dans le quotidien de notre vie et dans ce temps de culte partagé. Amen. » Et nous allons chanter notre premier cantique tous ensemble, Grande et merveilleuse, à la page 824 du recueil Alléluia. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue bénira. Alléluia, 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 amen. Lai 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 lai. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de louange dominicale, pour notre culte. Bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens, et une bienvenue toute particulière si vous êtes ici en visite ou pour la première fois. Soyez particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière qui est la vôtre. Vous venez d'entendre déjà Tigrane et Thierry François. Thierry François nous accompagne ce matin de nouveau pour la partie musicale de notre culte et nous nous en réjouissons. Un grand merci d'avoir préparé pour nous la musique ce matin. Ce matin, pour ce culte invitation, nous avons aussi la chance d'avoir Claude Ruet, qui est venu accompagné de son épouse Elisabeth, qui a accepté de venir rendre témoignage lors de ce culte. Claude est un ami depuis quelques années. Nous nous sommes rencontrés dans des rencontres d'église, car non seulement Claude est un homme politique, mais il est aussi très engagé pour l'église et il a notamment présidé notre œuvre d'entraide, les pères, donc, pendant de nombreuses années. Mais Claude a été un conseiller d'État dans le canton de Vaud, conseiller national aussi au Parlement pour le canton de Vaud, et je ne vais pas faire tout son curriculum. Bon, Claude est vaudois, on est d'accord, mais il habite Nyon, ce n'est pas trop loin de Genève.
Et puis il m'a dit qu'il était supporter du Servette. Alors ça, je ne pouvais que l'inviter aujourd'hui à rendre témoignage. Donc un immense merci à vous d'être venu ce matin avec nous pour ce temps de partage. Est-ce qu'il y a l'un autre des enfants qui est présent qui veut venir voir de près ce dessin? Parce que quand vous le voyez de loin, vous voyez quoi? Une tête. Et quand vous venez de tout près, qui c'est qui veut venir voir? Ou un adulte, vous venez voir de tout près. C'est Frédéric qui vient. Alors viens Frédéric. Viens. Et quand on voit de tout près, viens voir tout près, viens le plus près que tu peux avec ta chaise. Quand tu viens tout près, qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est plein de... Viens voir, tu veux voir, viens voir Léonie. Qu'est-ce que tu vois? Si tu regardes de tout près, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois ta maman surtout. Hein? Mais plein de visages. Hein? Quand on voit de tout près, on voit que des visages. Si on met son nez sur l'affiche, on voit que des visages. Et quand on prend un peu de distance, eh bien, on voit apparaître petit à petit le visage du Christ. Et je trouve que c'est une belle image, que cette image qui montre que finalement le Christ, Dieu, celui qu'on cherche, eh bien, il apparaît quand on sait prendre un peu de recul, mais aussi il est fait de tous ces visages humains différents qui fait que nous formons une communauté unie ce matin. Alors, Dieu, évidemment qu'on ne sait pas quelle tête il a, le Christ non plus. On n'a pas d'image, pas de vidéo. Mais cette image, c'est une manière de nous dire qu'il nous connaît chacun, que notre visage est connu de Dieu et qu'on a tous une place très précieuse auprès de Dieu, tout différent que nous sommes les uns des autres. C'est ce que les enfants tout à l'heure pourront aussi découvrir dans le petit moment de partage qu'ils auront avec Julie, Ella et Alaïs. Voilà, j'oublie personne. Mais maintenant, je vous invite à la prière et c'est Aliénor et Sophie qui nous conduisent dans la prière. Seigneur Dieu, certains ont voulu voir ta maison dans le ciel. Mais depuis Noël, nous savons que c'est sur la terre qu'il nous faut te chercher. Car c'est là que discrètement, tu ne cesses de venir à notre rencontre. Mais tu es troublant, car tu n'es jamais là où je t'attends. Alors, nous te le demandons, aide-nous à te chercher. Donne-nous la joie de sentir toujours davantage ta présence à nos côtés. Seigneur Dieu, nous voyons que dans la Bible, les disciples, souvent, avaient de la peine à te comprendre. Pour nous aussi, ce n'est pas facile et jamais je ne pourrai tout comprendre. Mais ravive en moi, chaque matin, cette confiance que le plus important avec toi, c'est de se savoir aimer. Non pas d'un amour général, lointain, anonyme. Tu nous connais chacun et chacune par notre nom. Tu nous aimes comme nous sommes et tu nous rejoins là où nous sommes pour nous accompagner dans toute notre vie. Pour cela, nous voulons te louer et te rendre grâce. Amen. Et nous allons chanter notre deuxième cantique, et c'est après ce cantique que j'inviterai, alors peut-être que Julie, tu peux te lever, voilà, Julie qui est là, avec Alaïs et Emma qui vont tout à l'heure encourager et accompagner les enfants qu'ils souhaitent à avoir un temps d'animation particulier pour eux dans la salle avant qu'ils nous rejoignent pour la deuxième partie du culte. Voilà, et nous, pendant ce temps, nous levons pour chanter « Quand les montagnes s'éloigneraient » à la page 204. Quand les montagnes s'éloigneraient,
quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Et nous poursuivons dans la louange. Et pour nous préparer à l'écoute de la Bible et au témoignage, c'est Kim et Inès qui nous conduisent dans la prière maintenant. Seigneur, la Bible nous parle d'un monde réconcilié autour de ta parole, un monde de paix et de justice, un monde où l'on n'apprendra plus à se battre. Ce monde, tu nous invites à le préparer dans notre pays, notre ville ou notre maison. Alors ce matin, nous te permettons nos pensées malsaines, nos pensées malsaines, notre rancune, notre indifférence, notre violence. Pardonne-nous notre manque d'amour. Nous déposons devant toi notre orgueil ou notre convoitise, nos habitudes ou nos lassitudes. Pardonne-nous notre manque de courage. Nous te remettons notre infidélité ou notre paresse, nos enfermements ou notre tristesse. Pardonne-nous notre manque de foi. Puisse ta parole nourrir notre engagement. Puisse ton pardon convertir notre cœur. Amen. Dans la Bible, il est souvent question des autorités politiques. Tantôt, il nous est dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme dans le livre des Actes. Tantôt, il nous est demandé de nous soumettre aux autorités politiques, comme dans l'Épître aux Romains. C'est une question délicate. Parmi les textes, il y a aussi ce beau passage de la première lettre à Timothée. Quand Paul écrit
Je recommande donc avant tout que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur. Cela a évidemment inspiré notre pratique que nous continuons semaine après semaine dans notre prière d'intercession, d'intercéder, de prier pour que nos autorités politiques soient éclairées dans leur charge. C'est une question qui depuis toujours a existé, le lien finalement entre le religieux et le politique. C'est une question évidemment très complexe. On voit parfois que si le religieux se distancie totalement du politique et vit dans une sorte de bulle loin de la réalité mondaine, nous ne serions pas fidèles à notre vocation de croyant. Mais l'on voit aussi, lorsqu'il y a une confusion entre le religieux et le politique, toutes les dérives que cela peut entraîner, et on le voit encore dans le monde d'aujourd'hui. C'est donc cette question subtile entre foi chrétienne et engagement politique qui est au cœur de notre réflexion de ce matin, et c'est à ces questions que Claude va répondre dans quelques instants. Mais avant que ce dialogue s'instaure, Claude a choisi un texte biblique qui est important pour lui, il va nous dire pourquoi, et ensuite nous entrerons dans ce temps de dialogue. Accorde-nous ton appui, Seigneur. Oui, accorde-nous ton appui, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés, nous en avons plus qu'assez de l'ironie des insolents et du mépris des arrogants. Pourquoi cette citation du psaume 123 ? C'est que bien souvent, l'engagement politique est décrié, il est critiqué, et ce psaume, cette supplique, nous en avons plus qu'assez de l'ironie des insolents et du mépris des arrogants, je l'ai reçue un jour en pleine crise que nous vivions dans le canton de Vaud, crise économique, politique, sociale. Je me suis trouvé à un moment donné à parler à 6000 personnes en grève à la Riponne. Et je peux vous dire que c'est un moment assez particulier. Et cette plainte, nous en avons plus qu'assez de l'ironie des insolents, ça pourrait être celle des immigrés, ça pourrait être celle aussi des policiers. J'ai été ministre de la police, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. Et c'est pour ça que je tenais à commencer ce témoignage avec ce psaume, parce qu'il m'a fait du bien quand je l'ai trouvé en sortant d'une manifestation à laquelle j'étais confronté. Alors c'est Sophie qui pose la première question. D'où vient votre engagement personnel et qu'est-ce qui le nourrit ? Alors, c'est une histoire familiale pour commencer. Je suis né dans l'après-guerre, donc à l'époque de la guerre froide. Et pour quelqu'un qui s'intéressait un tout petit peu à la vie du monde, c'était un petit peu simple pour un enfant. Il y avait les bons, les mauvais, pour faire simple et pour faire un peu caricatural. Et j'ai été marqué par l'année 56. Les plus anciens d'entre nous se souviennent peut-être que 56, c'était un hiver très, très froid. Mais 56, en octobre, ça a surtout été l'invasion de Budapest et de la Hongrie par les chars russes au moment où les jeunes se rebellaient pour retrouver leur liberté. Et comme enfant, j'avais 7 ans, j'ai été extrêmement frappé par cela. Nous avons reçu des milliers de réfugiés hongrois ici en Suisse. Comme enfant, nous avons donné nos jouets aux petits Hongrois. Je regrette encore le jouet que j'ai dû donner. Non, mais je l'ai donné avec plaisir. Et puis plus tard, et puis à la même époque aussi, on avait fait 3 minutes de silence en Suisse pour les Hongrois. Je ne fais pas plus long sur la Hongrie, mais si vous allez sur YouTube et vous cherchez mon nom, vous trouverez le discours que j'ai fait pour les 50 ans de l'insurrection de Budapest. Vous remplacez Hongrie par Ukraine et on est dans l'actualité, hélas, aujourd'hui.
L'Ukraine, c'est encore pire que ce qui s'est passé en Hongrie. Alors, ça a été pour moi un des éléments de déclenchement d'intérêt pour la vie sociale, pour la vie politique. Et je viens d'une famille bourgeoise moyenne, père protestant, mère catholique, engagé, mon père déjà en politique, ma mère sur le plan social et culturel. J'ai fait l'école du dimanche. Je n'ai pas eu une conversion miraculeuse, mais ma foi s'est développée au cours des années. Et ça m'a permis d'avoir un fils pasteur maintenant, tu vois, Emmanuel. Cela dit, j'ai fait des études de droit, sciences politiques. J'ai été, comme tu l'as dit, conseiller d'État. J'ai eu l'occasion de m'occuper des étrangers, de la culture, des sports, des affaires extérieures européennes et autres, parce que j'ai eu plusieurs départements. Et ensuite de quoi, j'ai été parlementaire et, comme tu l'as dit, président de l'entraide protestante. Et aujourd'hui, je préside un réseau d'accueil, d'entraide et d'appui à une centaine de réfugiés ukrainiens, là où nous avons notre résidence secondaire. Donc, si vous voulez, d'où me vient ce sens social ou ce sens politique, il me vient de ma famille, il me vient de l'éducation que nous avons reçue, des valeurs qui nous ont été transmises, et je crois que c'est une mission intéressante. C'est Alexia qui pose la deuxième question. Le chrétien peut-il encore s'engager en politique alors que la politique a mauvaise presse? Chrétien et politique? Vraiment? Mais la politique, c'est sale, c'est la magouille. C'est scandaleux. J'ai entendu ça quelques fois. Mais le pasteur Amédée Dubois, que nous avons bien connu, quand on lui disait « c'est la faute à la société », il répondait « mais la société, c'est qui ? C'est toi, c'est moi, c'est nous. » En fait, la politique, c'est à l'image de la société, à l'image de l'homme. Et comme disait Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, donc on fait le pire comme on fait le meilleur. Et pourquoi ne pas s'engager finalement, sachant que la politique, c'est pas pire qu'autre chose. Dans l'évangile à Jean 17, le Christ s'adresse au Seigneur en parlant des disciples, en disant « Je les ai envoyés dans le monde, ils ne sont pas du monde. » Comme chrétiens, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Alors c'est une vocation possible, et tout à l'heure, on a fait allusion à la première épître de Paul à Timothée, par exemple, de prier pour les rois et les autorités. Donc pourquoi, comme chrétien, ne pas s'engager? Je sais bien, le pasteur Chablot, qui était aumônier au Parlement fédéral, un jour, une de ses anciennes paroissiennes lui dit « Monsieur le pasteur, je suis désolé, on ne se verra pas au ciel. Pourquoi » Pourquoi? Mais parce que vous êtes dans le chaudron du diable, vous êtes au Parlement. Donc, il y a des gens qui ont des fois cette vision-là. Je crois que le monde politique, le monde social, c'est le fait que nous sommes dans le monde. Peut-on faire de la politique chrétienne? La politique chrétienne, non, je ne pense pas. Je pense qu'un chrétien peut s'engager en politique. C'est même une de ses vocations possibles. Calvin disait, il y a une plaque sur Calvin ici, que l'autorité est là pour conserver le mieux possible le monde. Il parlait de l'ordre de conservation du monde afin que l'humanité règne entre humains. Le rôle du magistrat, c'est d'essayer de gérer le mieux possible le monde dans lequel nous vivons, de permettre cet ordre de conservation du monde qui permet que le chrétien s'engage là-dedans. Mais est-ce qu'il y a une seule politique chrétienne? Ça serait une tentation que l'on pourrait avoir. Tous chrétiens, tous unis, on va changer le monde. Je ne pense pas que c'est le cas, parce que c'est ignorer la chute. Après le jardin d'Éden, on s'est retrouvé dans un monde qui n'était pas le paradis. Et par conséquent, on a des visions différentes du monde. On a aussi une perception du monde qui n'est pas la même, même entre chrétiens. Notre intelligence, elle est limitée, elle est finie. Seule intelligence absolue, c'est celle de Dieu. Donc quand on analyse la société, qu'on recherche des solutions, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on aura tous la même solution. Donc, politique chrétienne, je ne crois pas, mais chrétien en politique, oui. Prendre conscience aussi, parce qu'on est chrétien, que le pouvoir absolu, c'est Dieu qui l'a, et que ce que nous faisons sur le plan politique, c'est que relatif, c'est que contingent, c'est que secondaire. Ça doit nous détourner de toute hégémonie chrétienne, de ce à quoi a fait allusion Emmanuel Fuchs tout à l'heure, au césaropapisme. C'est quoi le césaropapisme? C'est quand l'autorité politique veut diriger l'Église. Ou bien la théocratie, c'est quand l'autorité religieuse veut diriger l'Église. Je me suis planté là. Le monde. Le monde, oui. Le monde.
Merci Emmanuel de me corriger. Je suis. Je vois que tu écoutes, c'est bien. Il y a au moins quelqu'un qui écoute dans la salle. Et donc, c'est ce qui nous conduit à séparer l'Église et de l'État. Les séparer, les distinguer, mais pas en voir aucun lien. Comme conseil d'État, dans le canton de Vaud, nous avons chaque année aux jeunes fédérales un message envoyé à la population, un message spirituel que nous demandons à une église, à un pasteur ou à un curé, de nous écrire en disant, et c'est un signe de modestie de l'autorité politique, le pouvoir que nous détenons, il est que relatif. Le pouvoir, il est en Dieu, et l'absolu, il est en Dieu. Et c'est une reconnaissance, une forme de modestie, d'humilité de l'homme politique par rapport à cet absolu de Dieu. Peut-on, doit-on faire avancer le royaume de Dieu à travers un engagement politique ? Alors je dirais, peut-on ? On peut, on ne doit pas forcément, il y a d'autres vocations possibles pour un chrétien, mais quand je m'engage comme chrétien, je m'engage avec des valeurs. Ces valeurs qu'on rencontre, je citais un psaume tout à l'heure, un autre psaume dit « Amour et vérité se rencontrent, amour et justice de Dieu » qui peuvent se décliner en amour du prochain, respect de l'autre, respect de la dignité de l'homme, exigence de justice, de paix, de réconciliation, le refus du mal, la liberté, la responsabilité personnelle, l'esprit de service, l'humilité, je pourrais encore allonger la liste. Ce sont ces valeurs-là qui découlent directement de l'Évangile que nous pouvons essayer d'appliquer dans la société. Donc, on peut, en effet, en postulant ces valeurs, essayer de contribuer à améliorer le plus la société. Mais ces valeurs qui sont, en somme, des absolus, au moment où on les applique pratiquement, ce n'est pas toujours simple de savoir, comme je le disais tout à l'heure, comment on analyse les faits. J'ai été responsable de l'asile et des réfugiés. Assurer la justice, concrètement, c'est quoi ? C'est renvoyer un requérant d'asile parce qu'il ne correspond pas aux termes de la loi et qu'on lui a refusé l'autorisation de rester en Suisse, ou au contraire, assurer la justice, c'est de le garder chez nous, essayer de demander un permis humanitaire parce qu'il a longuement travaillé chez nous, quand même il ne remplit pas les conditions de la loi. Ce n'est pas si simple que ça. J'ai eu un pasteur un jour qui est venu avec moi, avec un monsieur africain, il me dit, ça c'est Arthur. Bonjour Arthur. Vous le renvoyez ? Je dis, oui, je le renvoie parce que j'applique la loi et que ce monsieur ne remplit pas les conditions de l'asile. Et puis d'autres fois, je me trouve avec d'autres gens et je dis, alors là, on va tout faire auprès de Berne pour essayer de ne pas le renvoyer, cette personne, parce qu'elle est intégrée, parce qu'il y a toutes sortes de conditions qui font qu'on doit pouvoir le garder. Eh bien, ça, c'est assurer la justice, mais ce n'est pas simple, justement. Et alors, comme magistrat, je suis le magistrat, dans la Bible, on dirait le roi. Et puis il y a le prophète qui vient me trouver. Alors le pasteur, il était peut-être le prophète. Il est venu me trouver et me dire, il m'interpellait. Qu'est-ce que tu penses ? Et parce que je suis chrétien, ça a une résonance chez moi peut-être plus forte. Ça ne va pas forcément faire changer ma décision, parce qu'il faut effectivement peser chaque fois le pour et le contre. Mais ça, c'est une des difficultés à laquelle on est confronté. Votre foi vous a-t-elle parfois mis en porte-à-faux par rapport à vos responsabilités politiques ? Ben alors, c'est l'exemple que je viens de citer dans une certaine mesure. L'accueil de l'étranger, il me semble que c'est une valeur biblique. Mais pas l'accueil de n'importe quel étranger non plus. Et si j'accueille l'étranger parce que je suis magistrat, mais que cet étranger a commis des infractions, etc., je dois aussi appliquer le droit, je dois aussi appliquer la justice, et la justice, ça considérera qu'il doit retourner dans son pays. Vous savez, ce n'est pas simple. Je me suis trouvé une fois dans une église, nous avons un fils qui est théologien, qui a fait des études de théologie en France et en Suisse, avec sa chorale de la faculté d'Aix, en Provence, la faculté Jean Calvin, ils sont venus chanter dans une église à Neuchâtel. Et puis à la sortie du culte, quelqu'un me reconnaît et me dit « Ah, vous êtes à Berne, ça ne doit pas être facile. » Je dis « Non, ce n'est pas facile en ce moment, on doit débattre de la loi sur l'asile et les étrangers, avec notamment M. Blocher comme ministre de la Justice, ce n'est pas simple. » Et j'entends ce bon chrétien me dire « Oh, c'est vrai, il y en a trop !» Donc vous voyez, ce n'est pas univoque. Donc on peut être en contradiction, effectivement, les uns avec les autres. Quelle place pour la parole de Dieu et la prière dans l'action politique ?
Alors la parole de Dieu, d'abord effectivement pour les valeurs, pour l'éthique chrétienne dont je parlais tout à l'heure, qui doit nous guider, qui est même notre lumière ou notre phare. Et la prière, d'abord, le fait que je sois chrétien fait que je ne suis jamais seul. Donc chaque fois que je dois décider quelque chose ou chaque fois que je vis quelque chose dans ma vie, je sais que je ne suis jamais seul. Ça, c'est déjà une force assez extraordinaire, c'est une bénédiction assez extraordinaire. Et puis la prière, ça peut être la prière des autres, ou ça peut être la prière d'entre les politiques, entre eux. À Berne, par exemple, à l'Assemblée fédérale, nous avons tous les mercredis matins un office religieux, une méditation qui dure 20 minutes, 25 minutes, où viennent tous les parlementaires qui le veulent. On partage un moment de lecture de Bible. Il y a un pasteur ou un curé qui fait une méditation. Et ensuite, nous prions ensemble et nous nous quittons pour aller dans la salle. Ce qui ne veut pas dire qu'on va voter tous la même chose après, mais on le fait porté par cette prière, porté par cet amour fraternel que nous avons. Et si je combats l'opinion d'un politique différent de moi, je combats son opinion, je ne combats pas sa personne. Je le reconnais comme un frère, qu'il soit chrétien ou pas d'ailleurs. Je le reconnais comme un frère. Et par conséquent, cette parole de Dieu, de l'amour fraternel, nous porte à ce sujet. Alors la prière, ça peut aussi être la prière de vous. On l'a dit tout à l'heure, prier pour les autorités. On m'a dit quelquefois, on prie pour vous parce que vous êtes chrétien. Je dis non, mais ce n'est pas pour moi qu'il faut prier. Il faut prier pour tous les membres des autorités. Vous savez qu'il m'est arrivé, j'ose à peine le dire, il m'est arrivé de prier pour Poutine ces derniers temps. Ça paraît un peu bizarre. En me disant, on doit prier pour ses ennemis. Alors, un peu curieux, mais on ne sait pas. Ah oui, j'ai encore... Ah oui, pardon, allez-y. Le chrétien engagé en politique a-t-il une spécificité dans son approche et son action par rapport à d'autres politiciens ? Alors, il devrait avoir une spécificité, c'est d'abord d'être modeste, humble, et comme je le disais, quand il se battre pour défendre une idée et en contrecarrer une autre, mais jamais la personne de l'autre, donc toujours dans le respect. Il peut avoir cette autre spécificité, c'est qu'il peut demander pardon. Tout le monde peut demander pardon, mais nous savons que nous sommes pardonnés. Je me suis trouvé au conseil communal de Nyon, au niveau local, à me disputer avec mon ancienne maîtresse d'école du dimanche, qui n'était pas de mon parti, je ne sais plus sur quel sujet. J'étais un peu fort, j'avais 22 ans, j'étais un peu fort. J'étais vers elle à la sortie, je disais, écoutez, je suis désolé, etc. Et il y a une réconciliation possible, parce que nous savons que nous sommes pardonnés et aimés comme enfants de Dieu les uns et les autres. Et puis, une autre spécificité, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est un meilleur politique, entre parenthèses. On n'est pas un meilleur boulanger ou un meilleur menuisier parce qu'on est chrétien. On est un bon menuisier ou un bon boulanger parce qu'on connaît les règles du métier. En politique, c'est la même chose. Il y a aussi des règles qu'on doit connaître, donc on doit aussi travailler. Ça ne tombe pas comme ça tout seul. Donc il faut le savoir. Et puis il faut savoir que quand on est magistrat, ce qui a été mon cas, la charge est lourde et que le risque est grand de s'isoler. Un de mes prédécesseurs m'avait dit « Réjouis-toi de ton élection avant de connaître la solitude du chef ». La solitude du chef, c'est le risque de s'isoler, c'est le risque de céder au cynisme, voire à l'arrogance, voire à l'hubris, comme disent les Grecs, c'est-à-dire l'orgueil. Et ça, si on est chrétien et que des frères chrétiens viennent dire « Attention, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Comment tu fais ?» On sait qu'ils viennent vous le dire dans un esprit bienveillant, dans un esprit fraternel, et peut-être que ça vous aide à ne pas vous isoler. Et puis, je conclurai sur un dernier point. J'avais assisté à une conférence d'un de mes prédécesseurs neuchâtelois. Je suis libéral, il était socialiste, chrétien comme moi. Et il avait conclu en disant, vous savez, tout ce qu'on vient de dire, c'est très important, mais la première chose qui compte, c'est le Christ.
Alors que les enfants vont nous rejoindre d'ici quelques instants, je vous invite à nous recueillir dans la prière d'intercession précisément. Seigneur notre Dieu, nous voilà une nouvelle fois réunis ce matin. Nous mesurons le privilège que nous avons de vivre dans un pays en paix, où nous pouvons nous réunir librement, exprimer nos opinions librement, nous déplacer librement. Alors nous te rendons grâce pour tous ceux qui nous ont précédés et nous ont légué ce pays, cet héritage de paix. Et nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ont charge d'autorité, pour qu'elles puissent toujours œuvrer pour le bien commun, en étant attentifs aux plus faibles et aux plus fragiles. Ce monde, Seigneur, est un monde troublé. Nous sommes inquiets devant la folie des hommes, devant la fragilité de notre planète, les inquiétudes que cela provoque. Alors nous te demandons, apaise nos peurs, mais renouvelle notre engagement. Donne-nous d'être audacieux et courageux. Et comme Gédéon, envoie-nous là où tu veux, avec la force que nous avons. Elle est peut-être petite, mais elle est précieuse. Et tu es le seul qui est capable de multiplier l'effet de nos petits commencements. Alors oui, nous te prions pour notre pays, nos autorités. Nous te prions pour ce monde. Éclaire aussi ceux qui, par leurs décisions, provoquent le malheur et la destruction. Éclaire-les. Entoure-les de personnes qui sont capables de les faire revenir à plus de paix et de justice. Nous te prions pour notre Église et nos Églises sœurs ici à Genève, pour qu'ensemble nous puissions les uns et les autres avoir la joie de porter ta parole et la faire connaître. Nous te prions pour notre paroisse qui modestement essaye de faire rayonner ta parole et l'amour du prochain. Nous te prions pour tous ces jeunes qui sont en recherche et qui découvrent chaque semaine un peu plus la réalité de ton amour dans leur vie. Et Seigneur, nous te prions pour ceux que nous aimons, ceux qui nous sont chers, et tout particulièrement ceux qui traversent un temps de tempête conjugale, sociale, financière ou dans leur santé. Nous te remettons ceux aussi qui traversent l'épreuve du deuil. Et nous te nommons dans le secret de notre cœur ceux qui nous sont proches. C'est ensemble que nous voulons te prier maintenant. La prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Depuis cette année, nous avons réussi, grâce à un certain nombre de parents qui sont ici avec nous, à remonter un petit groupe d'éveil à la foi. C'est un grand plaisir, dans une paroisse où il n'y avait plus grand-chose pour les tout-petits, d'avoir réussi à remonter un groupe d'éveil à la foi. Et alors, vous savez, avec les enfants, quand on fait deux fois une chose, on le fait toujours. Hein? Donc, on chante toujours le même chant, qui est devenu un peu l'hymne de l'éveil à la foi.
Alors on s'est dit qu'on allait vous l'apprendre, l'hymne de la veille à la foi, parce qu'il tourne en boucle un peu dans toutes les voitures des enfants qui vont à l'éveil à la foi. Alors, je ne sais pas si les parents nous bénissent ou pas, mais en tout cas, il est chanté régulièrement. Alors, c'est dit qu'on allait le chanter avec vous aujourd'hui. Alors, les enfants qui ont l'habitude de le chanter, est-ce que Maël, est-ce qu'il y a en tout cas Léonie, il y a Maël, il y en a peut-être d'autres qui veulent venir devant, ou les enfants, ou pas, c'est pas grave, si vous ne voulez pas, mais pour nous apprendre. Parce qu'il faut taper des mains à un moment très particulier. Alors, on va prendre le cantique... J'ai perdu mon roi des rois, qui est la page 212, dont nous chantons les quatre premières lignes, pas les cinq, pas les suivantes. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Oh non, pardon, je me suis trompé. 830. 830. Pardon. 830. Dans ce recueil, il n'est pas pratique. On va y arriver. Voilà. 830. Et l'idée, c'est qu'on chante les quatre premières lignes. Alors Thierry va nous entraîner. On chante très lentement la première fois. Et puis la deuxième fois un peu plus vite. La troisième fois un peu plus vite. Et on va jusqu'à ce qu'on n'y arrive plus. Mais attention, il faut frapper des mains au bon moment. On se lève. Alors. Tout le monde est prêt? On y va. Roi des rois, Seigneur, Seigneur, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur, de Seigneur, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur, Seigneur, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur, de Seigneur, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur, de Seigneur, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur, de Seigneur, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur, de Seigneur, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Merci. Nous allons maintenant ensemble confesser notre foi. Alors, je vous ai fait rasseoir, c'était une erreur. Nous allons nous relever pour confesser ensemble notre foi avec le texte qui se trouve dans le feuillet. Je n'ai pas de feuillet, mais ça me va. Prions. Même si je ne vois pas toujours ta clarté, Seigneur, tu es ma lumière. Même si je ne sais pas toujours te saisir, Seigneur, tu es ma force. Même si je suis souvent troublé, Seigneur, tu es ma paix. Même si je suis souvent triste, Seigneur, tu es ma joie. Même si j'ai souvent de la peine à laisser parler mon cœur, Seigneur, tu es amour. Loué sois-tu, Seigneur, chaque matin, tu viens me rejoindre au creux de ma vie. Loué sois-tu, Seigneur, car ton esprit souffle sur ma vie. Amen. Alors, cette fois-ci, vous pouvez vous rasseoir. Pas pour très longtemps, parce qu'on va encore chanter. Mais j'ai quelques annonces à vous faire. D'abord, remercier infiniment mes catéchumènes de première année qui ont brillamment assuré la liturgie ce matin. Je dois excuser Laurent, qui est avec moi à préparer ce culte, qui est au fond du lit ce matin. Donc, on verra si on le voit demain, mais il pense bien à nous. Merci à nos musiciens, évidemment. Et puis, merci à
un immense merci à Claude pour ton témoignage et ta contribution ce matin. C'est extrêmement précieux de pouvoir t'entendre. Un immense merci. Tout à l'heure, nous allons nous retrouver pour l'après-culte qui est servi dans la salle, la belle grande salle des eaux vives. Alors venez tous nous rejoindre pour un moment. Et puis si vous avez plus qu'un petit moment, vous pouvez même rester pour le repas, puisqu'il y a un repas qui est prévu après. Mais venez en tout cas pour l'après-culte. Et puis si vous pouvez rester pour le repas, vous restez pour le repas. Et puis retenez déjà donc si ce genre de thématique comme nous venons de l'aborder avec Claude vous intéresse, ne manquez pas nos apéros théologiques. C'est une fois par mois, le mercredi à 6h15, vous venez boire un bon petit apéro et on discute 60 minutes top chrono d'une question d'actualité. Alors, il n'y avait pas une question d'actualité absolument brûlante, mais il y avait une question qui nous taraudait depuis un moment. Donc, c'est la question du mensonge. La prochaine fois, c'est la question du mensonge. J'ai menti, est-ce un problème ? Et on va discuter de ça. Ce sera le 8 février. C'est toujours des moments très sympas que ces apéros théologiques. Le texte de l'intervention de Claude est à disposition. Merci à Claude qui nous l'a fourni. Il y a un certain nombre d'exemplaires à la sortie. C'est plus ou moins ce qu'il a dit. En tout cas, si ça vous intéresse. Et puis, sinon, on le mettra de toute manière, si Claude est d'accord, sur notre site. Voilà. Et puis, à propos de... Puisqu'on a parlé de musique et que nous avons la chance d'avoir Thierry François avec nous aujourd'hui, nous avons le projet pour un prochain culte d'éventuellement monter une petite chorale éphémère ou pour l'occasion, pour le mois de mai. Donc avec deux ou trois répétitions avec Thierry, on est en train d'élaborer le projet. Si ça vous intéresse, hein, tous les âges, ce ne sera pas trop contraignant, mais ce sera certainement très très sympa. Donc n'hésitez pas à nous en parler, on en reparlera à l'occasion. Nous allons maintenant chanter notre dernier cantique pendant lequel l'offrande pour la vie de la communauté est recueillie. C'est un chant que vous trouvez dans votre feuillet. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Nous nous levons pour chanter. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi les chansons si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne... Comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je veux te prier, je vais te... Mais je veux t'écouter, je veux repartir et je veux te chanter, je vais repartir et je veux t'en... Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne rentrez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Et nous prions maintenant avec les paroles d'envoi. C'est Alex
Xia et Héloïse qui nous conduisent dans ce moment. Si la pierre disait « Ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur », il n'y aurait pas de maison. Si la goutte d'eau disait « Ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière », il n'y aurait pas d'océan. Si un grain de blé disait « Ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemer un champ », il n'y aurait pas de moisson. Si l'être humain disait « Ce n'est pas un être humain qui peut transformer le monde », il n'y aurait jamais d'amitié et de paix sur la terre des humains. Comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, le monde a besoin de toi, unique et irremplaçable.